Je suis retraité aujourd'hui, je m'installe où? Je m'installe en Bretagne, je m'installe à La Rochelle, je m'installe sur la Côte d'Azur. Et quand vous allez avoir des périodes longues à 40 degrés, ça va devenir compliqué, hein, de vieillir. La Bretagne est plutôt entre parenthèses, une terre d'accueil de retraités. Mais à cela s'ajoute aujourd'hui la question de population qui se disent, mais dans le Midi, ça va devenir invivable. Ça va faire beaucoup trop chaud. Vaut mieux qu'on aille en Bretagne parce que finalement, la Bretagne va devenir une destination où il fera bon. On aura la mer, on aura les espaces naturels. Donc la Bretagne, je pense, va devenir une destination très attractive. Et quand on dit la Bretagne, c'est principalement le littoral breton. Habiter sur la côte aujourd'hui en Bretagne, c'est quasiment plus possible pour des revenus modestes. Les migrants climatiques, ce seront surtout, avant tout, des gens qui seront en retraite. Si vous n'accueillez que des retraités qui ont, entre parenthèses, des moyens, ben, faut tous les services derrière. Donc il y a des vraies questions à se poser sur tout ça. Il faut que chaque territoire dise, voilà, mon développement, c'est quoi? Est-ce que je suis là pour accueillir des populations résidentielles deux mois par an? Est-ce que je suis là pour accueillir des gens qui veulent travailler et vivre au pays toute l'année? Jusqu'à quelle proportion j'accepte? Avec quelle fiscalité? Enfin, des questions nouvelles, oui. C'est intéressant la réflexion qu'on a. Mais encore une fois, elle n'est pas aboutie parce qu'on n'a pas pris la mesure. Et pourquoi on n'a pas bien pris la mesure? Parce que les citoyens n'ont pas encore bien pris la mesure. Je pense que les choses sont en train de se mettre en œuvre. Ça veut dire qu'il faudra peut-être se fixer des limites, ouais.